vous plaît? Qu'est-ce qui est le plus sympa? La cabane. La cabane avec les petits personnages à l'intérieur qui bougent. C'est ça? Il y a l'élan qui sort la tête. Ouais. Une petite souris à l'intérieur. Et là, c'est une petite souris. Moi, j'ai tricoté les écharpes. Les écharpes de bonshommes de neige. À l'arrivation des faux paquets. Et puis, au sapin. D'accord. Ça vous a enthousiasmé? Oh oui. Ouais. J'avais besoin, avec la... de magie, de gaieté. Ça a marché? Oh oui, quand on voit les enfants, c'est le meilleur des remerciements qu'on peut avoir. Hein. Regarde les enfants, les étoiles dans les yeux. Ouais, oui. C'est vrai? Ça a reboosté un petit peu? Amy, ouais. Tu penses, toi, ça t'a fait du bien? Ouais, et toi, Ezio, ça t'a fait du bien aussi de voir tous ces décors de Noël? Donc vos parents, alors, ont fait les bonshommes de neige? Les bonshommes de neige. Ils sont en bois? En bois, de toilette. D'accord. Et donc vos parents habitent à Fresnes. Ouais. Et ils sont à la retraite. À la retraite, donc du coup, comme ils aiment bien faire des travaux manuels et tout ça, ils ont participé au village avec grand plaisir. Le décor de Noël qui a été fait pour la première fois cette année. Tout à fait, voilà. Sur une idée, lors d'une réunion d'un conseil municipal, voilà, j'ai proposé que cette année, on fasse un petit village de Noël. Donc au départ, j'imaginais vraiment deux, trois petites choses. Et puis l'équipe s'est mobilisée. Donc il y a chacun chez soi, puisqu'on ne pouvait pas se retrouver, à travailler et à fabriquer quelque chose. Voilà. Donc c'est pas que l'équipe municipale, il y a des bénévoles de l'extérieur? Tout à fait, il y a eu des bénévoles, des associations. On a mis un mois, ça s'est fait en un mois. Voilà, la réalisation s'est faite en un mois. Et donc à notre domicile, chacun avait choisi un objet ou en particulier. Et puis on a fait un groupe WhatsApp qui nous a permis de communiquer, de s'envoyer les photos et de voir un petit peu l'avancée de nos réalisations. Voilà. Et donc alors je vois qu'il y a des morceaux en bois, enfin des personnages en bois de différentes sortes. Comment vous avez eu les matériaux? Ah ben on les a récupérés dans Précis. Voilà, donc tout ce que vous voyez en rondin de bois, c'était récupéré dans Précis. Les palettes, on les avait mis de côté, on a demandé, voilà, les habitants, s'ils avaient des palettes, et puis on a tout récupéré. Et puis il y a des dames qui ont fabriqué des écharpes pour mettre sur les petits bonhommes de neige. Voilà, tout a été fait à la main. Les écharpes, voilà. Les rondins. Et puis on a... Donc le traîneau, c'est vraiment une fabrication qui a été faite avec le traîneau, oui. Que vous voyez au fond. Là, voilà, c'est des palettes, hein, c'est des palettes. Pareil pour le cerf. Et puis, mon mari, lui, a décidé de faire tout ce qui était animation, un petit peu les automates. Donc, vous avez le petit lapin, voilà, qui bouge son oreille, le cerf qui... À l'intérieur? Non, à l'extérieur. Ah, alors, le lapin qui bouge son oreille. Alors, il bougeait son oreille, il bouge plus. Par contre, le cerf, voyez, le cerf qui bouge. Oui, alors, voilà. c'est un élan. 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 Et à l'intérieur, il y a une souris. Il y a une petite... Ah, alors, moi, je suis phobique. Alors, jamais on ne prononce pas. C'est interdit. Ah, sinon, je rigole. Pardon. Non, je rigole. Donc, qui est-ce qui a installé, là? Eh bien, c'est nous. Donc, un samedi matin. En fait, tous les samedis matins, on se réunit en réunion de conseil municipal. En réunion. Et du coup, ben, un samedi matin, on a dit, pas de réunion. On va monter le village de Noël. Et on a fait dimanche notre fête de Noël. Donc, avant-hier. Ah. On a fait une fête de Noël et donc les enfants sont venus chercher leurs cadeaux devant la mairie. Et depuis quelques jours, on voit donc des habitants de Fresnes, de Charmentrais, de Trilbardou, même de Clissouilly, qui viennent faire une petite visite sur notre village de Noël et regarder ce qui a été créé par tous les bénévoles. En promenade? En promenade, tout à fait. Avec de la récupération. Le plus simple pour nous, c'était la palette, puisque c'est très à la mode de faire des choses avec de la palette. Et du coup, on a récupéré auprès d'habitants, auprès de chacun, des palettes. Et ensuite, on est allé voir sur Internet certains sites, Pinterest par exemple, ou des sites spécialisés où on a été prendre des idées de décoration de Noël. Et puis comme ça, par exemple, là, ça a été du bois de palette. Voilà, ça c'est du bois de palette qu'on a poncé. Donc on a récupéré les planches de palette qu'on a poncé, qu'on a recoupé à la scie sauteuse. Et puis ensuite un petit coup de peinture, de l'inspiration. Dominique, vous êtes président de l'association Précis Loisirs. Précis Loisirs.
D'accord. Et donc, vous avez financé ? On a contribué, en effet, pour ceux qui souhaitaient une petite contribution pour les aider à réaliser le village. Voilà. D'accord. Donc, ça a coûté combien ? Chacun a... Beaucoup, la plupart des bénévoles ont donné de leur personne. Et nous, on a proposé une enveloppe de 500 euros pour ceux qui souhaitaient des dédommagements. Voilà.